Il repose désormais dans le carré des martyrs du cimetière municipal de Gounguin. Tiékoura Mamadou Touré est la 15e victime du putsch du 16 septembre dernier. Blessé par balle, c'est le mardi dernier qu'il est décédé des suites de ses blessures. Dans le recueillement et la tristesse, autorités, parents et camarades de classe l'ont accompagné cet après-midi à sa dernière demeure. Il a eu droit à l'hommage de la nation. Moussa Ouédraogo, Nathalie Sawadogo. Ils pleurent la mort de leur camarade. Tiékoura Mamadou Touré, élève en classe de terminale, touché par balle lors du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, a succombé à ses blessures le mardi 10 novembre dernier. Il reçoit ici les mêmes honneurs que ses martyrs putsch qui a endeuillé à ce jour 15 personnes. Contre la mort, Mamadou Touré, âgé de 20 ans, a lutté jusqu'à son dernier souffle. Et pour l'exécutif de la transition et le président du CNT, c'est une mort de trop. Aîné d'une famille de 4 enfants, il incarnait l'espoir de la famille, un modèle pour ses jeunes frères et sœurs. Tiékoura Mamadou Touré, tu n'es pas mort pour rien. Tu t'es sacrifié pour une grande cause, pour la grande cause des peuples libres qui ont payé leur liberté avec le sang. Tu as combattu le combat juste. Tu fais la fierté de la nation retrouvée et de l'intégrité affirmée. Tu fais la fierté des dignes filles et fils tombés sur le champ d'honneur. Tu fais la fierté d'être Burkinabé. Ceux qui pleurent aujourd'hui Tiékoura Mamadou Touré sont rassurés par le gouvernement qui a laissé entendre que sa lutte ne sera pas trahie.